Bonjour à tous, c'est Jolico sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de, du conflit contre la Russie où l'Ukraine présente son expertise avec le drone GOR au MSPO 2024. Lors du Salon de la Défense MSPO 2024, l'Ukraine a présenté le développement de ses capacités en matière de système aérien sans pilote US drone avec la présentation du drone GOR d'Airlogix conçu pour la surveillance et la transmission d'images en temps réel. Cette présentation souligne les efforts continus de l'Ukraine pour améliorer sa technologie militaire, notamment dans le domaine des drones, malgré le conflit en cours qui dure depuis plus de deux ans. Développé par les principaux experts de l'industrie de défense ukrainienne, le système GOR est destiné à améliorer la surveillance du champ de bataille en fournissant des données et des renseignements critiques aux forces terrestres. Le drone opère à des altitudes allant de 800 mètres à 3,5 km et à une portée de transmission de données allant jusqu'à 40 km. Le drone Gore se caractérise par ses performances robustes et ses caractéristiques technologiques avancées. Il est capable de voler jusqu'à 4 heures, couvrant des distances allant jusqu'à 260 km, ce qui en fait un outil essentiel pour les missions de longue durée. Le drone opère à des altitudes allant de 800 à 3500 mètres et à une portée de transmission de données jusqu'à 40 km. Son système de propulsion électrique lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 108 km/h, tandis que sa conception compacte, avec une envergure de 2,6 mètres, lui permet de décoller par catapulte et d'atterrir sur le ventre, améliorant ainsi sa flexibilité opérationnelle. Conçu pour résister à la guerre électronique, le drone Gore est équipé de fonctionnalités qui garantissent sa fiabilité même dans des environnements contestés. Il comprend notamment un système de navigation de secours qui lui permet de fonctionner efficacement en cas de brouillage GNSS, ainsi qu'un système de caméra EOIR avancé avec une capacité de zoom 80 fois et une stabilité numérique. Le système de communication comprend un canal principal, et un canal de secours garantissant une connectivité constante entre le drone et la station de contrôle au sol, ce qui est essentiel pour la collecte des renseignements en temps réel et le succès de la mission. Le conflit en Ukraine a mis en évidence l'importance croissante des drones sur le champ de bataille moderne. Au cours des deux dernières années, les forces ukrainiennes ont largement utilisé des drones, notamment des drones kamikazes et des drones FPV pour mener à bien des opérations stratégiques. Si les drones kamikazes sont souvent utilisés pour des attaques directes. Les drones de surveillance comme les GOR jouent un rôle tout aussi crucial dans les missions de reconnaissance. Ils permettent aux unités militaires de surveiller les mouvements de l'ennemi, d'identifier des cibles et d'anticiper les menaces sans exposer inutilement les troupes au sol. Cette capacité est essentielle pour obtenir un avantage stratégique car elle permet aux forces de planifier et d'exécuter des opérations avec un degré de précision plus élevé. L'utilisation de drones de surveillance est devenue une pierre angulaire de la stratégie militaire moderne, notamment dans le, conflit du, dans le contexte du conflit ukrainien. Ces drones fournissent des renseignements en temps réel essentiels à la prise de décision sur le champ de bataille. En identifiant à distance les positions et les mouvements de l'ennemi, il contribue à atténuer les risques pour la vie humaine tout en maximisant l'efficacité des opérations militaires. Le drone Gore, avec ses fonctionnalités avancées et sa fiabilité éprouvée, illustre l'engagement de l'Ukraine à développer et à déployer une technologie de drone de pointe en réponse aux exigences de la guerre moderne. Malgré les défis posés par le conflit en cours, les fabricants de matériel de défense ukrainiens continuent d'innover en développant des systèmes tels que le drone Gore qui répondent aux besoins évolutifs de la guerre moderne. En élargissant son offre de drones, l'Ukraine se positionne comme un acteur clé de l'industrie mondiale de la défense avec le potentiel d'une adoption plus large de ces technologies par les pays alliés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.